Sport, Espagne. Ronaldo croit parfois tout savoir. Selon Mourinho, l'ex-entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, nommé lundi dans son ancien club de Chelsea, a réglé dans la nuit de mardi à mercredi une dernière fois ses comptes avec ses anciens protégés du club Merengue dans une émission TV espagnole, reprochant notamment à Ronaldo de parfois croire qu'il sait déjà tout. Cristiano a fait 3 saisons fantastiques avec moi. Le seul problème que j'ai eu avec lui est très simple. Je l'ai critiqué d'un point de vue tactique, espérant améliorer certaines choses chez lui, et il ne l'a pas bien accepté parce qu'il croit peut-être déjà tout savoir. A expliqué Mourinho dans sa dernière interview en Espagne sur le plateau de l'émission Punto Pelota de la chaîne Intereconomia. Mais le Ballon d'Or 2008 n'a pas été la seule cible de l'entraîneur portugais qui a également lâché quelques piques à l'égard de son ancien défenseur central, Pepe. Selon Mourinho, Pepe aurait notamment mal supporté la concurrence du jeune français Raphaël Varane, qui l'a dépossédé au cours de la saison 2012-2013 de sa place de titulaire dans la charnière centrale du Real. Un jeuneau de 10, 12 ou 13 ans de moins que lui a commencé à jouer, mais ce jeuneau l'a mérité et je pense que lui, Pepe, n'a pas bien assimilé ni accepté cette situation. A tranché Mou, qui a également accusé Pepe d'ingratitude. Mourinho estimant avoir sauvé la place du défenseur portugais quand celui-ci avait déjà un pied hors de la maison. Ronaldo, tout comme Pepe, ont cette saison eu maille à partie avec Mourinho, même si les raisons de leur colère ne sont pas forcément celles qu'indique le portugais. L'ailier du Real Madrid avait ainsi, très modérément, apprécié que Mou brocade la tristesse que le joueur avait alléguée en début de saison. Quant à Pepe, lui avait pris la défense du gardien Casillas, relégué sur le banc depuis la mi-janvier par Mourinho qui, jusqu'à la fin de la saison, lui aurait préféré le portier Diego Lopez. Ce dernier avait pourtant initialement été recruté au mercato d'hiver pour assurer seulement l'intérim de Casillas, blessé temporairement à la main gauche. Enfin, l'entraîneur portugais, qui est retourné lundi à Chelsea, club qu'il a déjà coaché de 2004 à 2007, n'a pas hésité à tirer un bilan personnel positif de son passage par la Maison Blanche. Si l'on me demande si je reviendrai au Real, en sachant ce qui s'est passé durant ces 3 ans, je réponds que je le ferai. Car, sans être venu, je ne pourrais pas dire que j'ai gagné les 3 championnats les plus importants du monde, a conclu Mourinho, faisant allusion à ses titres de champion obtenus avec Chelsea, l'Inter Milan et le Real, ce dernier en 2011-2012.